Je devais avoir 14 ans. Comme d'habitude, je revenais du collège à pied. Il faisait froid. Je suis passée par le parc pour aller plus vite. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Elle était belle sous son arbre. Je me souviendrai toujours de son petit sourire en coin. De son poignet qui ondulait quand elle traçait un trait. De son regard intense et concentré quand elle dessinait. Je vous en prie, Andrea, reprenez votre respiration, nous avons tout notre temps. Alors, essayez de me parler de... Kelly. Elle s'appelait Kelly. C'est la première fois que je suis tombée amoureuse. Comme ça, d'un seul coup. Dès qu'on s'est vus, ça a été comme électrique. On le savait toutes les deux. Alors elle m'a invitée chez elle. Mais c'est vraiment chez toi, ici? Bah oui, pourquoi? Et tes parents? Pas de parents. C'est plus simple. Sinon, tu en penses quoi? Tu les trouves beaux? C'est-à-dire que... on les voit pas très bien. Mais t'en as fait combien? J'en ai dessiné un. Tous les jours, depuis mes 7 ans. Tout à l'heure, tu m'as vu terminer le 2666e. Écoute, je n'ai pas eu la chance d'avoir une belle enfance. Ma vie à moi, elle fait peur, et je le sais. Tout le monde me fuit et je suis toujours seule. C'est juste que quand je t'ai vue tout à l'heure, quand j'ai vu la façon avec laquelle tu me regardais, je me suis dit que tu pouvais m'aimer pour ce que je suis. Andrea, je me suis trompée? Non, c'est juste que... Et toi, tu ne détestes pas que tout le monde te trouve bizarre juste parce que tu es différente? Ok, alors raconte-moi ce qui se passe. Alors qu'elle avait 7 ans, Kelly, sa grande sœur et ses parents revenaient d'un repas de Noël. Il faisait nuit, la voiture est passée dans un tunnel. Il y a eu un grand craquement dans le ciel. Toutes les lumières se sont éteintes et la voiture a percuté une des parois du tunnel. Elle a perdu connaissance. Elle se souvient seulement qu'à son réveil, sa tête était posée sur un corps froid. Corps de sa grande sœur. Et une voiture est passée dans le tunnel et, pour la première fois, avec les phares de la voiture, dans un rétroviseur brisé, elle l'a vu. Et qui a-t-elle vu? Allez, appuie. Andrea, je te présente Lisa, ma sœur. Lisa, je te présente Andrea, ma copine. Alors, tu veux bien m'aider? Thank you.
Je ne l'ai jamais revue depuis ce soir-là. Et vous savez si le rituel a fonctionné? Vous savez, je ne crois pas vraiment à ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Je pense que vous êtes la bonne personne. Nous pourrions y arriver. Ensemble.